Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette nouvelle guidance intemporelle. J'espère que vous allez tous bien. Qu'est-ce donc qu'une guidance intemporelle? Eh bien, tout simplement, peu importe à quel moment vous tomberez sur cette vidéo, que ce soit demain, dans 6 mois ou dans 10 ans, si vous avez été amené à la visionner, c'est qu'il y a un message à vous transmettre, il y a un message pour vous, il y a quelque chose que vous devez entendre, ou peut-être que ça peut être un conseil ou quelque chose dont vous avez besoin pour agir, réagir, rebondir. C'est une guidance que je vous propose en 3 choix et que je vous laisse découvrir tout de suite. Allez, pour cette guidance intemporelle, je vous propose 3 possibilités, 3 choix. Le premier sera avec l'améthyste et le Inner Star, édition française de Jo-Isabelle Klima. Pour le deuxième choix, ça sera la labradorite avec l'oracle des haïkus de Célia Melville et Sylvie Lavoie. Et pour le troisième choix, ce sera le cœur en quartz rose pour notre belle Stéphanie Gras et son petit oracle de Steph. Petite dédicace, je te fais un bisou Steph si tu passes par là. Pour ces 3 tas, à chaque fois, vous retrouverez un tableau avec le carré fantabuleux. On fera une petite analyse aussi, plus une introspection avec l'oracle de la vision interdite. Je vous proposerai une baguette chinoise pour chaque tas et vous aurez une réponse avec les pièces de fortune. Je vous laisse décider votre choix, soit le tas numéro 1 avec l'améthyste, le 2 avec la labradorite et le 3 avec le quartz rose. Allez, on y va tout de suite. Pour ceux qui ont pris le tas numéro 1 avec le Inner Star et l'améthyste, on va découvrir notre message de guidance et on viendra faire le tableau autour de cette guidance. Allez, nous avons accueillir le mouvement pour ce premier tas et on vous demande ici d'accueillir le mouvement. Donc, ce qui veut dire que dans votre vie, soit présente ou à venir, il va y avoir des modifications, il va y avoir du changement, il va y avoir du mouvement. Préparez-vous à ce que les choses bougent enfin. Et là, j'entends déjà un ouf de soulagement pour ceux qui sont dans une passade de stagnation où les choses n'évoluent pas, n'évoluent plus, ou alors vous attendez des réponses et les choses sont en sommeil. Eh bien, il va y avoir des choses qui vont enfin bouger, vous allez soit enfin obtenir des réponses, vous allez soit enfin sortir de la situation dans laquelle vous êtes englué, soit ça pourrait être aussi une sorte d'impasse. Peut-être qu'en ce moment vous êtes dans des négociations ou dans des choses, on est un peu dans un dialogue de sourds, les choses n'évoluent plus, ou alors on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente. Et bien là, on nous parle de ce mouvement, de choses justement qui vont bouger, qui vont se mettre en action. On va regarder un petit peu avec notre tableau. Allez, notre tableau, centre, nous avons, carte très intéressante, nous avons la polarité, le plus et le moins. Donc ici, ça pourrait nous parler soit de conflit, on arrive vraiment à pas trouver un terrain d'entente, ou alors on est face à une partie opposée, à une opposition. Peut-être qu'en ce moment, vous traversez soit une crise avec un tribunal, peut-être que vous êtes dans des démarches, vous êtes dans des négociations, et vous êtes vraiment face à des personnes... Soit des personnes, un groupe de personnes, une partie ou une personne qui est vraiment votre opposé. Et par conséquent, on ne vous dit pas ici que c'est fichu. Non, au contraire, puisque dans l'opposition, on trouve toujours une petite partie de l'autre. C'est-à-dire, prenez la symbolique du yin et du yang. Dans le yin, il y a du yang et dans le yang, il y a du yin. Eh bien, c'est le même principe. Essayez de trouver... Quelle est la chose commune que vous avez avec cette personne? Essayez de trouver ce qui vous arrangerait, ce qui vous conviendrait pour débloquer la situation et pour trouver un terrain d'entente. Nous avons une situation qui est prête à se terminer. Nous avons aussi la médecine. Ça pourrait nous parler peut-être de choses qui vont s'améliorer dans le bon sens, trouver un remède à quelque chose qui est toxique. Et j'ai même envie de dire ici, on a une espèce de boucle. C'est-à-dire qu'on est sur la fin de quelque chose, la fin d'un cycle.
Pour moi, ici, le serpent n'a pas du tout une symbolique négative, mais plutôt dans sa mutation. Hein. Vous savez que le serpent mue, il change de peau. Donc ça pourrait ici évoquer le fait de faire peau neuve, de changer radicalement les choses. Et en même temps, j'ai envie de vous le dire, ça paraît logique avec le accueillir le mouvement, puisque le serpent, pour se débarrasser de sa mue, eh bien, il doit se tortiller, hein, il doit sortir, il doit faire des efforts pour se débarrasser de son ancienne peau. Eh bien, vous, ça serait le même principe, c'est-à-dire que je vous sens là, pour ceux qui ont pris ce choix, dans une situation dans laquelle vous êtes vraiment empêtré, dans laquelle vous êtes englué, peut-être que vous avez contracté, je sais pas, quelque chose, une sorte de contrat, un pacte ou quelque chose que vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Ou alors ça pourrait nous parler d'une relation, hein, peut-être que vous êtes dans une relation un peu toxique, quelque chose comme ça. Mais j'ai la sensation que le changement, il est pas très loin, mais il vous faut encore un tout petit effort. Et cet effort, c'est à vous de le fournir, hein. C'est comme le principe de la guérison. La guérison, si vous n'avez pas la volonté de vouloir guérir, si au contraire vous laissez sombrer dans la maladie, eh ben j'ai envie de dire, vous donnez raison à la maladie, et c'est elle qui gagnera à la fin. Donc non, si vous voulez vraiment sortir de cette situation, ça va être à vous de fournir un petit effort supplémentaire pour vous débarrasser de cette peau qui vous colle. Et effectivement, regardez, on a la carte blanche ici, donc qui nous parle de quelque chose de positif. Et la carte blanche, elle a une double symbolique, puisqu'elle nous dit ici que c'est vraiment à vous de mettre en place les actions. Vous avez carte blanche pour vous débarrasser de cette situation. Il vous faut juste un petit effort à vous de fournir cet effort, et vous avez carte blanche pour l'effort que vous voulez fournir. Donc n'hésitez pas à y aller. On nous parle également ici de choses qui vont enfin prendre forme. Quand je parlais de négociation, de pourparler, on est vraiment ici dans cet aspect de négociation. Je pense que pour votre situation, tout peut être réglé avec tout simplement de la discussion, des échanges. Il vous suffit eh bien de parler, de faire un pourparler, de trouver un terrain d'entente. Pour moi ici, la situation n'est pas bloquée à proprement parler, hein, c'est le cas de le dire. Il vous suffit tout simplement d'user de communication pour pouvoir trouver des accords, trouver un remède. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez régler assez facilement. Quant au miroir, on nous parle de réflexion, le fait de réfléchir, c'est-à-dire que il est possible qu'en face de vous, vous retrouviez soit en face de quelqu'un qui possiblement dit la même chose que vous, donc peut-être que c'est un dialogue de sourds dans lequel vous êtes, c'est-à-dire que vous, vous défendez votre point de vue, la personne en face défend son point de vue, mais en fait elle dit la même chose que vous, sauf qu'elle le dit différemment, et ça peut provoquer une sorte de quiproquo, ça peut provoquer comme ça une sorte d'opposition, alors que non, c'est bête parce que vous dites exactement la même chose et vous êtes très similaire en fin de compte. Donc quand je vous parlais de la polarité entre Yin et Yang, vous êtes à la fois complémentaire, et dans cette polarité vous pouvez trouver ce qui vous manque dans l'autre et vice versa, et il y a une certaine similitude par rapport à ça, c'est-à-dire qu'un miroir, effectivement, quand on se voit nous, mais c'est pas nous en même temps, mais pourtant quand on se regarde, c'est quand même nous, vous voyez ce que je veux dire? Et bien c'est le même principe ici, vous êtes face à une situation ou à un groupe de personnes ou à une personne qui en fin de compte est très similaire à vous, qui vous imite, enfin qui vous imite, je me comprends quand je dis qui vous imite, hein. C'est-à-dire que soit vous êtes connecté sur les mêmes choses, les mêmes passions, les mêmes façons de penser, etc. Et par conséquent, au lieu de vous opposer bêtement à quelque chose, surtout que là, on nous parle de pourparler. Donc pour moi, c'est plus un dialogue de sourds. Mais grâce à ces changements mis en place, si vous fournissez ce dernier petit effort, vous allez vraiment pouvoir vous débarrasser de ce qui vous retient du passé pour enfin franchir un cap. Parce que j'ai la sensation que vous êtes sur le bord du précipice. Et soit vous avez peur de sauter, vous avez peur de faire ce grand saut, soit, enfin vous voyez, il y a quelque chose un peu comme ça qui vous retient. Eh bien non, le dernier effort à fournir, c'est au contraire de sauter dans le vide, et vous verrez bien ce qu'il y a en bas. Ça se trouve, il y a un océan qui va vous accueillir et qui va amortir votre chute. Mais voyez ce que je veux dire, il y a un dernier petit effort encore à faire de votre part. On va regarder maintenant avec l'oracle de la vision interdite. Allez, on va toutes les poser cachées. Pour la première, est-ce qu'on aura le droit de la regarder? Oui, non, on n'aura pas le droit de la regarder. Donc du coup, la première, on ne saura pas ce qu'il y a. Pour la deuxième, ah, la deuxième non plus, on n'a pas le droit de savoir ce qui est caché. Et pour la dernière, on a un oui. Bon, c'est un petit peu cassé, mais on va tricher un petit peu quand même. Je peux pas vous laisser sur trois cartes qui seraient retournées.
Allez, pour la dernière, on a prendre le risque. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à être révélées. Et c'est drôle, là, moi, ce qui m'interpelle, c'est prendre le risque. Je viens de vous le dire, le dernier effort qu'il faut que vous fassiez, eh bien, c'est de sauter dans ce précipice, de faire ce grand saut et de voir, eh bien, ce que la vie vous a réservé en bas. Donc prenez ce risque si vous avez peur, si vous n'osez pas. Je sais pas, imaginons que vous ayez craqué pour quelqu'un, vous avez développé des sentiments et vous n'osez pas par peur, eh bien, que la personne vous dise non, que ce soit pas réciproque. Mais c'est dommage parce que si vous n'osez pas, vous ne le saurez jamais en fin de compte. Donc tentez, hein, comme dit l'expression, qui ne tente rien n'a rien. Et enfin, une petite baguette chinoise et on passera à la réponse. Allez, et on a la baguette numéro 12. Alors, la 12. La 12 nous dit... Vous êtes peut-être en train de traverser une période de malchance, mais les choses vont s'arranger avec une aide extérieure. Vous aurez assez d'argent pour vous offrir non seulement le nécessaire, mais aussi de nombreux petits luxes. Actuellement, il vaut mieux investir l'argent que vous touchez dans du long terme plutôt que le dépenser aussitôt. Ce n'est pas une bonne période pour voyager car vous risquez de rencontrer de nombreuses difficultés en route et de rentrer chez vous en retard. C'est très intéressant parce qu'on nous dit que c'est pas encore une bonne période pour, mais que la chance va bientôt arriver. Et c'est le principe de cette guidance, c'est-à-dire que on nous parle ici qu'effectivement vous êtes plutôt dans une situation délicate, c'est-à-dire que vous êtes à la place du serpent qui est en train de muer et avant de commencer à chasser, il faudrait peut-être qu'il commence par se débarrasser de sa peau, hein, parce que ça va l'embêter, il va pas pouvoir faire autre chose. Donc prenez le temps d'abord de finir ce que vous avez commencé, pour ensuite, eh bien, profiter de cette nouvelle vie, profiter d'une nouvelle opportunité, profiter d'un nouveau départ. Mais terminez d'abord ce que vous avez à faire, c'est très important. Allez, maintenant je vous propose... Ben non, vous ne regarderez pas, je ne vais pas les retourner, comme ça je ne saurais pas non plus ce qu'il y avait comme carte. Hop, et je vais même les mélanger. Et voilà. Et maintenant, on va passer à une question de votre choix. Je vous laisse poser la question soit à haute voix, soit dans votre tête. Et on y va. Pour la première, nous avons un non. La deuxième, nous avons un oui. Et la troisième, nous avons un oui. Donc deux oui pour un non, ce qui est plutôt favorable, c'est plutôt oui, c'est plutôt positif à votre question. Maintenant, pour ceux qui ont pris le tas numéro 2 avec l'oracle des haïkus et la labradorite, on va passer tout de suite à notre carte maîtresse de guidance. Et nous avons la numéro 37 qui nous parle de peine. Ah, qu'il est lourd le chant des tourterelles, les soirs d'automne sans lune. Et là, on a une carte qui est vraiment pas très cool, qui est assez sombre. Donc pour moi ici, ça m'évoquerait une période assez difficile. Peut-être que vous vous sentez comme soit attristé, soit peiné, soit peut-être même emprisonné. Alors ce sentiment, j'ai envie de dire qu'il peut être aussi normal après ce qu'on vient de vivre. On commence tout doucement le déconfinement pour nous, hein, amis français. Pour vous, amis étrangers, n'hésitez pas à nous dire en commentaire comment ça se passe d'ailleurs chez vous. Mais c'est tout à fait normal que vous vous sentiez dans cet état d'emprisonnement, d'enfermement, voire de solitude. En plus, regardez... Sur cette tour, on n'a même pas de fenêtre, on n'a absolument rien. Donc on a vraiment ce sentiment d'être confiné, d'être cloisonné, d'être même cloîtré. On n'a même pas le droit de voir à l'extérieur. On a l'impression de ne pas avoir d'opportunité. On n'a absolument rien. Et on nous dit ici que on nous parle d'une lourdeur. En plus, les soirs d'automne. Alors les soirs d'automne, c'est déjà pas très gai. Et en plus, sans lune. Donc ce qui veut dire qu'on n'a même pas une lumière pour nous éclairer dans la nuit. Vous avez l'impression, pour vous qui avez choisi ce tas... d'être comme ça, d'être perdu, d'être sans repère, de ne pas savoir où est-ce que vous allez. Vous avez même l'impression d'être complètement emprisonné. Ah, on a la carte de la création. C'est pas anodin en plus qu'on ait cette carte qui apparaisse avec la labradorite, sachant que la labradorite c'est la pierre des thérapeutes, c'est la pierre des émotions et des sentiments, et on nous parle ici de se protéger, justement la pierre permet de se protéger des sentiments des autres. Donc peut-être aussi que ça peut être une forme de conseil, pour vous dire qu'en ce moment, si vous traversez, si vous êtes déjà dans la peine et dans la difficulté, eh bien ne venez pas rajouter des problèmes extérieurs qui ne vous concernent pas, concentrez-vous plutôt sur vous, enfermez-vous dans votre tour pour vous protéger des autres
Peut-être aussi que ça peut être un conseil pour vous dire que vous avez trop donné, que vous êtes trop investi pour les autres et que le remerciement n'est peut-être pas là. Et par conséquent, qu'il serait mieux que vous retourniez dans vos pénates. Vous voyez, ça peut être aussi une forme de conseil. Hein, j'y vois pas forcément quelque chose de négatif. On a encore une carte qui... On a une carte qui a sauté et on a un monsieur ici. Est-ce que vous auriez eu une déception par rapport à un monsieur? Ou est-ce que... Alors, le monsieur peut être... Le monsieur peut être plein de choses. Il peut être soit celui qui va vous sortir de cet emprisonnement, hein, c'est peut-être celui qui va vous donner la clé, ou le prince charmant qui arrive pour vous délivrer de cette tour, mais ça peut être aussi le geôlier, c'est-à-dire que peut-être... Ici, vous êtes sous l'influence d'un homme, alors ça peut être votre patron, votre père, un cousin, n'importe quoi, n'importe qui peut-être vous met une certaine forme de pression et par conséquent, vous vous sentez comme isolé. Alors, nous avons la carte... Ah bah, elle tombe bien celle-là du coup. Nous avons la carte de la valise qui nous parlerait ici soit de partir, de déménager, il est temps peut-être de sortir de votre tour, il est temps de sortir de votre tristesse, peut-être arrêter de vous apitoyer et peut-être qu'il est temps de partir, arrêter éventuellement aussi de toujours compter sur les autres et de se bouger soi-même, c'est ce que j'ai aussi là en tête. Peut-être que vous avez peut-être peur aussi de ce qu'il y a à l'extérieur, ça peut arriver parfois, hein. Qu'on peut avoir ce sentiment, on se sent bien en fait, tant qu'on est dans sa zone de confort, tant qu'on contrôle tout, on se sent bien, on se sent en sécurité. Par contre, dès qu'on nous pousse un petit peu à sortir de cette zone de confort, quand on nous pousse, alors parfois ça peut être pour du positif, hein, qu'on nous pousse. Vous pouvez rencontrer des personnes qui vous poussent vers du meilleur et qui cherchent à vous tirer justement en haut et pas en bas, hein. Tout le monde n'est pas méchant, heureusement d'ailleurs. Et peut-être que, eh ben, ça peut faire peur, hein, ça peut ébranler, surtout si on a l'impression de pas avoir les capacités. Si on se sent pas digne, si on se sent pas prêt, et ben ça peut un petit peu faire peur de sortir de sa zone de confort. Surtout que là, je vous rappelle cette tour qui n'a pas de fenêtre. Peut-être que c'est volontaire aussi de se mettre un peu des œillères, de voilà, parce que c'est bien pratique, parce que ça nous arrange bien, c'est les autres qui font tout, et moi je suis là, je suis tranquille dans mes pénates. Et ben non, justement, peut-être qu'il est temps, au contraire, de partir, de voyager, de vous prendre en main. Regardez, on a le verrou, donc on nous parle de blocage, on nous parle de casser des blocages, donc ce qui veut dire que en vous, il y a des blocages, il y a des... En fait, j'ai l'impression... Oh, c'est drôle, on a la clé en opposition. Ah, c'est marrant quand même, c'est vraiment marrant. Parce qu'ici, j'ai vraiment le sentiment, en fait, qu'il est possible que les blocages, c'est vous qui vous les mettiez tout seul. C'est personne qui est responsable des blocages, c'est vous qui vous bloquez tout seul. Donc vous voyez, quand je vous parlais d'une certaine zone de confort, de vous dire bah c'est bien rassurant d'être dans ce que je maîtrise, dans ce que je sais faire, dans ce que je connais, ça m'arrange bien, mais eh ben si vous êtes dans une situation au contraire qui remue et qu'on vous pousse à aller de l'avant, qu'on vous pousse à bouger, qu'on vous pousse à faire des choses, vous peut-être que vous vous sentez un petit peu déconcerté ou que ça fait trop. Et par conséquent, eh bien, vous bloquez tout seul. Et dans ces blocages, vous allez auto-bloquer aussi la situation. Et c'est ça qui est dommage, parce que quand une situation bouge, quand on a des choses qui se mettent en place devant nous, eh bien, c'est bête de créer des blocages qui n'ont pas lieu d'être, vous voyez. Surtout que là, en plus, on a la clé et le cadenas qui sont là, qui sont en face, hein, qui sont prêts juste à se rencontrer. Ce qui veut dire que la clé de votre blocage se trouve peut-être juste en bas de la tour. Il vous suffit de quitter cette tour, de prendre le risque. Alors c'est marrant parce que ça revient un petit peu à la guidance précédente avec le choix numéro 1. Il vous suffit de prendre le risque, de décider de sortir de votre zone de confort, et c'est en dehors de cette zone de confort que la clé se trouve, la clé de votre blocage, hein, c'est là qu'elle se trouve. On nous parle ici justement que cette clé sera responsable de cette cassure, de quelque chose qui enfin va pouvoir vous libérer, puisque regardez, en plus on a une chaîne, on a la chaîne, on a cette tour sans fenêtre, donc on a vraiment ici cette sensation de prison, d'étouffer. Mais peut-être que cette prison, c'est vous qui vous y êtes placé tout seul, vous voyez ce que je veux dire. Il faut faire attention avec la zone de confort, parce que rapidement une zone de confort peut devenir votre propre prison, hein. Si vous avez peur de faire des choses, de vous lancer, ça peut devenir votre propre prison, hein. Et là justement, on vous dit attention, vigilance, le blocage ici, attention, vigilance, pour moi c'est du coup pas quelqu'un qui est responsable de ce blocage, mais il y a de fortes chances pour que vous soyez bloqué tout seul. Ah, c'est marrant, on nous parlait des soirs d'automne sans lune. Bah regardez les amis, la lune elle est là, hein, elle a fini par apparaître.
Alors, c'est intéressant parce que là, pour moi, il y a deux choix. Il y a deux choix qui se croisent. Je pense que vous êtes comme à une sorte de croisée de chemin de votre vie. C'est-à-dire, vous avez deux options. Soit vous continuez à rester dans votre confort, dans votre zone de confort, et continuez avec ce blocage. Mais pour moi ici, ce blocage, il peut être soit dû à une blessure. Alors, je sais pas pourquoi, mais je suis en train de penser à une blessure de confiance. Peut-être qu'on vous a blessé par le passé, par conséquent, vous avez du mal soit à faire confiance, soit à profiter du changement, soit à accepter le changement, soit ça peut être aussi accepter vos faiblesses ou accepter vos blessures. Peut-être que c'est vous qui vous êtes auto-blessé et peut-être que vous êtes trop dur également avec vous et par conséquent c'est vous qui vous êtes créé ce blocage, voyez? Mais pour moi ici ça pourrait me parler vraiment d'une blessure passée, d'un traumatisme ou quelque chose qui fait qu'aujourd'hui vous vous êtes enfermé dans cette tour. Mais par contre, si vous continuez dans ce sens-là, regardez la destination de votre voyage, c'est pour descendre encore plus bas. Que là, pour moi ici, il y a une autre possibilité, à savoir retrouver un équilibre grâce à cette cassure, hein, libérez-vous de vos chaînes, libérez-vous de ce qui vous retient pour retrouver cet équilibre et au contraire aller vers l'ascension de cette lune. Et on nous parlait des soirs d'automne sans lune et la lune est ici. Donc ce qui veut dire que si vous retrouvez cet équilibre, si vous travaillez sur cet équilibre, si vous cherchez à vous libérer de votre chaîne, vous retrouverez naturellement cet équilibre et par conséquent, eh bien la lune, vous allez peut-être finir par l'atteindre, hein. Donc n'ayez pas peur de vous mettre des objectifs et des buts. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle de la vision interdite. Allez, pareil, même punition que pour le tas numéro 1. On va se les positionner en face cachée et on va laisser décider la pièce de vision nous dire si on peut, oui ou non, retourner les cartes. Ah, vous avez de la chance, on peut retourner celle-ci. Et on nous parle de se protéger. Les menaces sont multiples, ne l'oubliez jamais. Ah là, on a un indice qui est très intéressant, puisque je vous rappelle que l'oracle de la vision interdite, c'est pour travailler nos peurs. Donc il se peut que vous êtes enfermé dans votre tour, parce que vous êtes peut-être convaincu que c'est la seule façon de pouvoir vous protéger. En plus, regardez, c'est quand même assez marrant, on a la dague ici et la dague, elle est là. Donc peut-être que au fil du temps, vous vous êtes créé une sorte de carapace, une sorte de bulle, mais cette bulle, elle est devenue de plus en plus épaisse et aujourd'hui, elle est carrément recouverte de parois en titane avec du béton armé, etc. Elle est devenue complètement imprenable et c'est peut-être vous qui vous êtes auto-isolé naturellement de ce problème-là. Donc on vous dit bien que oui, vous êtes protégé, oui, il y a des menaces, mais vous ne pouvez pas non plus passer votre vie à tout le temps faire attention, à tout le temps vous protéger de tous, mais c'est impossible. Oui, des déceptions, on en a eu. Oui, des déceptions, vous en aurez encore. Mais vous ne pourrez pas passer votre vie à vous protéger et à vivre dans cet enfermement. J'allais retourner la carte, mais non, peut-être qu'on la retourne pas. Et on la retourne pas. La dernière, elle avait pas envie de travailler. Et pour la dernière, eh bien la dernière, on ne la retournera pas non plus, donc vous ne saurez pas les deux qu'il y a là. Donc ce qui veut bien dire ici que on nous parle d'une protection, d'une surprotection. Hein. Peut-être sortez un petit peu de cette bulle, percez cette bulle, essayez de vous percer vous-même une propre fenêtre par laquelle vous pourrez sortir, pour eh bien sortir aussi de votre zone de confort. Allez, on va continuer avec notre baguette chinoise. Et nous avons la numéro 20. Allez, la 20. La 20, bien que votre destin soit en partie déterminé à l'avance, vos propres actions peuvent en modifier le cours. Les actes positifs, en particulier ceux qui vous coûtent du temps et des efforts, tels ceux qui impliquent des voyages, se retourneront à votre avantage. Votre future prospérité dépend de votre propre bonté. Veillez aussi à la sécurité de votre famille, vos relations personnelles continueront à fluctuer pendant quelque temps. Ah, c'est quand même drôle! Que la baguette ici nous parle justement de voyage, nous parle d'avancer, nous parle de faire des choses, hein, que notre destin dépendra aussi des actions qu'on va mettre en place, ce qui veut dire que ici, il y a quelque chose qui est tracé pour vous, il y a quelque chose qui est écrit pour vous, mais votre propre geôlier en fait, eh bien c'est vous-même, vous êtes à la fois le prisonnier et le geôlier. Donc j'ai envie de vous dire, eh bien tout simplement, utilisez votre clé, utilisez vos actions, mettez en place les choses pour eh bien être dans cette dynamique de sortir de cette prison dans laquelle vous êtes proprement enfermé
pour vous protéger, mais c'est pas forcément utile parce que peut-être qu'aujourd'hui, si vous vous sentez malheureux, c'est peut-être justement dû à la surprotection ou au barrage que vous êtes imposé vous-même. Donc au contraire, ouvrez un petit peu les vannes et acceptez que les choses puissent couler naturellement. Allez, on va terminer maintenant avec notre pièce de fortune. Je vous laisse réfléchir à votre question. Et on y va, c'est parti. Nous avons un non. Nous avons un oui. Et nous avons un non. Donc ce qui veut dire qu'on a deux non pour un oui. C'est donc plutôt défavorable. C'est donc plutôt non pour votre question. Allez, maintenant le choix numéro 3 avec le petit oracle de Steph et le cœur en quartz rose. Et on y va tout de suite pour notre carte maîtresse de guidance. Et nous avons de ton sentiment de gratitude naît l'abondance. Une carte très intéressante puisqu'elle nous parle ici de gratitude et d'abondance. N'oubliez jamais pour ceux qui ont pris le tas numéro 3 que rien n'est jamais acquis et soyez dans la gratitude si vous voulez que l'abondance continue. Effectivement, ce n'est pas parce que vous allez avoir une période d'abondance, d'aide, de choses qui se passent bien, eh bien qu'il va falloir tout prendre pour acquis. Donc remettez-vous en questions régulièrement, surtout manifester aussi de l'humilité, mais surtout et avant tout de la gratitude. Si vous avez la chance que certaines personnes vous aident, eh bien remerciez-les, montrez-vous, eh bien tout simplement, soyez dans cette gratitude, soyez dans cette démarche de remercier. Alors, je ne vous dis pas non plus de jouer les serpillières et non, faut pas non plus exagérer. Mais si vous avez la chance de bénéficier d'aide, si vous avez la chance en ce moment d'avoir eh bien une vie où tout se passe relativement bien, où vous accumulez un peu les bonnes nouvelles, continuez d'être dans la gratitude et dans l'humilité, car n'oubliez jamais que toutes les choses ont une fin et que certaines choses peuvent aussi terminer pour donner libre cours à d'autres choses. Et si vous voulez continuer à cultiver cette abondance, eh bien, soyez dans cette gratitude. Allez, c'est parti. Nous avons la carte des vagues, une carte très intéressante puisque ça nous parle ici à la fois des promesses sur le sable, mais aussi du quotidien, hein, de ces vagues qui viennent comme ça s'échouer sur la plage et qui nous rassurent. Effectivement, le quotidien parfois peut se montrer rassurant, mais attention à ne pas toujours, encore une fois, reposer sur vos acquis, puisque même si une mer semble être d'huile, eh bien, elle peut aussi se changer rapidement en tempête. C'est-à-dire que ce qui a été construit sur le sable peut rapidement être détruit par un tsunami. Donc, vous voyez, on revient à cette image de gratitude. Vivez l'instant présent, remerciez pour ce que vous recevez et sur ce que vous avez, mais en revanche, n'oubliez jamais que les choses ne dépendent pas de vous, qu'il y a des forces au-dessus de vous, que le destin peut aussi changer si vous montrez ingrat, si vous montrez tout simplement non reconnaissant ou si vous prenez parfois la grosse tête parce que ça y est, votre vie commence à tourner dans le bon sens, etc. Donc ça y est, on commence à plus trop se sentir et bah boum, et bah la vie peut rapidement vous rappeler à l'ordre en vous disant « Attends Coco, je t'ai donné tout ça, mais tu sais, je peux aussi tout reprendre. Hein, » Et voilà. Donc on est à nouveau dans cette idée de gratitude, de faire attention. Les promesses sur le sable, c'est bien connu, hein, elles sont vite écrites et vite effacées. Donc ici, ça pourrait nous parler aussi d'engagement. Si vous êtes engagé à quelque chose, faites en sorte que cette promesse ne soit pas sur le sable, mais qu'elle soit gravée sur le roc. Hein, c'est trop facile de dire oui, je fais ça, je m'engage à faire ci, à faire ça, etc. Et puis en fin de compte, pouf, allez hop, une petite tempête et on efface tout ce qui a été écrit. Non, c'est trop facile. Donc attention aux fausses promesses, attention aux promesses sur le sable. On a la montagne qui pourrait nous parler de difficultés, de cœur brisé. On a le pentacle qui nous parle de protection et de paix. Alors c'est drôle, ici ça m'évoque vraiment ici deux choses très différentes. C'est-à-dire que ça y est, à la moindre difficulté, on va être sur cette promesse qui est rompue. Regardez, on retrouve ce cœur brisé sur cette promesse hein, du sable puisqu'on a le cœur ici qui est sur la plage. Et faites exprès, ça y est, à la première difficulté, à la première montagne rencontrée, boum, ça y est, c'est fini, j'en peux plus, je suis au bout de ma vie, etc. Eh bien, non, au contraire. Faites appel à des ressources qui sont en vous. Vous êtes au contraire protégé pour le moment. Il y a quelque chose qui est sur vous, donc profitez de cette énergie qu'il y a autour de vous pour retrouver la paix, retrouver l'équilibre. Et au contraire, plutôt que de faire face à cette montagne, vous avez deux choix. Vous avez deux choix pour faire face à cette montagne. Soit
Vous y allez avec ce cœur brisé parce que ça y est, vous y arrivez plus, donc pour vous ça vous semble insurmontable. Bah non, si vous êtes dans cette un peu dans cette loi d'attraction à vous dire non, j'y arriverai pas, et bah oui, vous n'y arriverez pas, effectivement. Par contre, si au contraire vous trouvez la paix et que vous y allez avec un esprit apaisé, oui, là vous pourrez traverser cette montagne sans problème, puisque c'est cette paix qui va vous motiver à continuer à avancer et ne pas à vous arrêter dès que vous trébuchez sur un caillou. On a là aussi, on a la carte de la valise, on a la carte du dé, la carte des genres et la polarité. Donc pour moi ici, ça me parlerait. Alors ça me parlerait de... En ce moment, j'ai l'impression que vous êtes comme attiré par le destin. C'est-à-dire que le destin, il a mis des choses en place, enfin, il a prévu des choses pour vous. Et vous êtes un peu comme une sorte de pantin, c'est-à-dire que vous êtes un petit peu manipulé par le destin. Dans le sens où vous êtes à l'heure actuelle là où vous devriez être, au bon moment, avec les bonnes personnes, au bon endroit. Mais vous pensez en fait que ça peut être le résultat de vos actions, mais en fait ça pourrait être dû tout simplement au destin. C'est-à-dire qu'on vous a mené là où vous deviez être. Alors ça peut vous donner l'illusion que c'est vous qui étiez maître de tout ce que vous faisiez, alors qu'en fin de compte, non, c'est le destin qui vous donne ça. C'est pour ça qu'on revient à ce sentiment de gratitude. Soyez dans la gratitude si vous voulez continuer à cultiver cette abondance. Faites preuve d'humilité et de remerciement envers ce que la vie vous offre et vous donne et vous permet d'avoir. Montrez-vous reconnaissant pour pouvoir continuer à recevoir cette abondance-là. On nous parle aussi de polarité, on nous parle de choses en tout genre. Alors cette carte, elle est intéressante parce qu'on nous parle ici peut-être d'une abondance qui arrive dans plusieurs domaines. C'est en train d'impacter toute votre vie en général. Peut-être qu'il y a eu un petit élément et c'est ce petit élément qui a permis de faire changer beaucoup de choses dans votre vie. Vous voyez, je prends un exemple très concret. Imaginons qu'on parle de la santé. Il suffit qu'on ne soit plus en forme ou qu'on rencontre une maladie grave pour que tous les autres aspects de notre vie soient aussi touchés. Vous voyez, ou le fait de perdre son travail, ça peut nous amener à tomber dans la dépression, etc., etc. Et du coup, ce sont tous les aspects de notre vie qui vont être touchés. Et là, on est dans cette même relation de cause et effet, c'est-à-dire que dans la descente, si tout ce que vous avez là, il suffit qu'un seul domaine soit impacté pour que ça soit tout qui est à nouveau un déséquilibre. Regardez ici, on nous parle de polarité, donc des choses qui peuvent s'inverser. Oui, pour le moment, tu es dans l'abondance. Par contre, si tu fais certaines choses, on peut aussi inverser la vapeur, voyez ? Donc pour moi, je pense qu'en ce moment, vous êtes bien dans cette dynamique du destin qui vous donne des choses, mais c'est vraiment la vie qui vous offre ces choses-là. Elles ne sont pas dues, elles ne sont pas acquises non plus, et manifestez autant que possible de la reconnaissance pour ce que vous avez, même si dans votre vie, je vous entends déjà dire derrière votre écran en disant « oui, enfin Jojo, moi je suis toute seule, j'ai pas d'amis, j'ai pas de famille, j'ai pas de travail », j'ai envie de vous dire, vous avez quand même un toit sur la tête, vous avez une santé pas trop pourrie, vous avez l'air de la vie qui est dans votre corps. J'ai envie de dire que c'est le plus important, non? Et rien que pour ça, on pourrait remercier la vie. Beaucoup n'ont pas la chance d'avoir un toit sur la tête. Beaucoup également n'ont pas la chance d'avoir une bonne santé. Beaucoup, cette vie qui est dans le corps est en train de disparaître. Donc pourquoi trébucher au moindre caillou que vous allez avoir sur votre chemin, à la moindre pierre, ça y est, boum, vous tombez, vous dites non, ça y est, c'est fini, terminé. Ben non, au contraire, les choses continuent. Mais soyez dans cette gratitude, même si vous pensez que vous n'avez pas grand-chose dans votre vie, si, croyez-moi, si vous faites un petit inventaire de ce que vous possédez, croyez-moi que vous avez des choses qui méritent qu'on dise merci. Allez, la vision interdite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir la carte du milieu, puisque pour la première, on avait la dernière carte, la deuxième, on avait la carte du début, donc celle-ci, on va avoir que la carte du milieu. Je voudrais rire en plus que ça soit... Bon, décidément, cette pièce, elle veut pas travailler. Première carte, on ne la retourne pas. Ah, deuxième carte, on la retourne. Je vous ai dit quoi, les amis? Je voulais pas dit en plus qu'on retournerait la carte du milieu. Et est-ce qu'on va retourner la dernière, juste par curiosité? Ah oui, on pourra retourner la dernière. Très bien. Eh ben, je vais le faire tout de suite.
Alors, on a cultivé le secret, gardez vos recettes pour votre jardin secret et on nous parle de sentir le danger, le mal se tient devant vous, il est déjà trop tard. Donc là, on est, pour moi ici, c'est ça, c'est cette montagne là. Donc tout d'abord, cultiver le secret. Pour moi, cultiver le secret, c'est dire, eh bien, on en revient en plus avec le de ton sentiment de gratitude naît l'abondance. Il y a vraiment cette relation de cause à effet, c'est-à-dire que la recette qui fonctionne en ce moment dans votre vie, continuez à la cultiver, c'est-à-dire que si vous avez donné votre énergie, si vous avez contribué, si vous avez fait les bonnes actions, si vous avez fait les bons choix, si vous avez été avec les bonnes personnes, si, eh bien, c'est une recette qui fonctionne pour l'instant, donc ne venez pas à changer cette recette, ne changez pas d'attitude ou de comportement, ne changez pas vos habitudes. Puisque, eh bien, juste en rajoutant un ingrédient, ça pourrait diamétralement changer toute la recette. Hein, je prends un exemple très concret. Vous faites un gâteau au chocolat avec une recette que vous maîtrisez depuis 30 ans. Et puis, un jour, vous décidez de rajouter, je sais pas, du piment. Parce que vous avez vu ça sur une recette. Et au final, eh ben, votre gâteau que tout le monde adorait, eh ben là, pour le coup, tout le monde va le détester. Voyez? Et ça peut être la même chose pour vous. C'est-à-dire, qui vous êtes, restez fidèle à votre créneau, à votre credo. Restez fidèle à votre personnalité et à qui vous êtes, car il suffit que vous changiez une petite chose pour que, eh bien, les gens qui vous aimaient finissent par vous détester. Et on revient à cette notion de gratitude pour faire naître l'abondance. Et enfin, sentir le danger, c'est ça aussi. C'est-à-dire que peut-être vous êtes face à quelque chose en ce moment dans votre vie. Peut-être la tentation, eh bien, de changer cette recette. Hein, mais attention, c'est pas parce que ça vous fait envie que non. Vous voyez, ça, vous pourriez peut-être jouer à un jeu dangereux. Donc attention, on vous demande d'être vigilant, et c'est pas pour rien qu'on vous demande d'être vigilant, puisque pour moi, il y a cette notion de gratitude. À trop en vouloir, eh bien, parfois, on finit par tout perdre. Donc il vaut mieux se contenter de ce que l'on a, de continuer la recette tant qu'elle fonctionne bien, parce que, eh ben, à force d'en vouloir, eh ben, parfois, on peut se retrouver avec des trucs qui, eh ben, on s'en serait bien passé, en fin de compte, hein, voyez. Allez, on va passer maintenant aux baguettes chinoises. Et nous avons la numéro 3. La numéro 3, les précautions ordinaires que vous employez se révèlent inutiles en cas de désastre. Plutôt que de vous épuiser à tenter de vous défendre contre toutes les calamités possibles, concentrez-vous sur les bons aspects de votre vie en usant d'attention et de considération. Vous pouvez les développer de sorte que quand les mauvais jours viendront, vous puissiez facilement tenir le coup. Il serait sage de faire attention à vos finances et un investissement prudent à long terme est envisageable. C'est le bon moment pour voyager et faire de nouvelles rencontres, mais ne vous engagez pas personnellement auprès de quelqu'un à moins d'être tout à fait sûr de pouvoir lui faire confiance. Et c'est drôle parce que là, la notion de confiance ressort bien avec Annabelle, hein, parce que quand on prend la poupée Annabelle, en soi, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Enfin, je vous parle de la vraie Annabelle, hein, pas la poupée des films. Mais une vraie poupée, bah, on la laisserait rentrer chez nous sans aucun problème. Mais derrière cette poupée, bah, il peut se cacher autre chose, hein, quelque chose de bien plus... Donc attention au visage qui arbore un joli sourire, parce que peut-être que derrière, hein, on peut être face à quelqu'un... voilà. Et j'ai envie de dire aussi que pour moi ça me paraît logique parce que là la baguette, ce qu'elle vient de nous dire, on nous parlait de voyage fait exprès, on nous parlait d'avancer, on nous parlait de mettre les choses en place, mais en même temps de ne pas trop être gourmand aussi, de se préserver, de se contenter de ce que l'on a, de ne pas se projeter non plus sur du long terme, ça sert à rien, ou de se projeter trop loin, ça sert strictement à rien. Contentez-vous plutôt de ce que vous avez pour l'instant et soyez dans cette gratitude. Ne cherchez pas à toujours avoir plus, parce qu'il y a un moment, bah, à force de monter, il y a un moment où il faut y redescendre aussi, hein, où la vie aussi peut vous faire redescendre naturellement. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux continuer à cultiver ce que vous avez l'habitude de faire, de rester pour le coup, par rapport à la guidance précédente où je vous parlais de sortir de votre zone de confort. Là, j'ai presque envie de dire, au contraire, restez sur cette zone de confort, restez sur ce que vous savez faire, sur qui vous êtes, plutôt que de devenir quelqu'un que vous n'êtes pas, quelqu'un que on pourrait ne pas aimer et qui pourrait faire changer les choses. C'est drôle, j'ai l'expression ne vous tirez pas une balle dans le pied, en fait. C'est assez drôle que j'ai cette expression. Allez, maintenant on va passer à la question. Je vous laisse donc réfléchir à votre question. Vous pouvez la poser à haute voix dans votre tête. Et on y va. Nous avons un oui.
Nous avons un oui. Elle a rebondi sur ma main. J'ai bien envie de la refaire quand même. Ah, nous avons un non du coup. Et elle a touché ma main aussi. Je vais la refaire. Et on a un oui, ce qui nous fait deux oui pour un non. Ici, pour moi, il y a une réponse qui tarde à venir. C'est-à-dire que votre question n'a pas trop envie d'y répondre. Parce que peut-être que vous avez déjà la réponse en tête. Ou vous avez déjà un élément de réponse. Ou alors, la vie n'a pas envie de vous donner aussi la réponse. Hein, quand il y a des difficultés comme ça, à ce que la réponse vienne, c'est qu'il y a un petit message caché derrière. Hein, voilà. Voilà donc mes chers amis pour cette guidance intemporelle. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, donc mettre un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne pour me suivre. Moi, je vous embrasse fort et on se retrouve très vite pour de prochaines guidances intemporelles. Gros bisous à tous, prenez soin de vous.